gang! Moi, on est lundi matin. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Moi, j'ai reçu ma route plus tard. Après vous avoir parlé, j'ai reçu ma route. Je m'en vais chez Tria à La Prairie. On va ramasser un copeau de bois recyclé pour monter ça à Lac Mégantic. Mais je ne fais pas ça tout seul. Cette semaine, je suis avec... Mini! Elle vient avec moi. Donc, c'est confirmé. Elle vient avec moi lundi, mardi, mercredi. Donc, mercredi, on va retourner à la maison. Puis, je vais la domper. Moi, je vais aller me coucher. Puis le lendemain, je vais partir tout seul. Fait que... mais ça l'a déménagé, comme tout le temps, à chaque fois qu'elle sort, qu'elle part, change de place, elle déménage. Elle en a emmené du stock, ça n'a pas d'allure. Non, j'ai emmené deux sacs. Je suis moins pire. Avant, j'ai emmené 5 sacs. Minimum. Fait que c'est ça. Moi, je finis faire ma petite inspection. Puis, elle m'a aidé en même temps. Flasher, gauche, droite, les breaks, pour être sûr. Fait que je suis mes affaires, je remplis mes papiers, puis on décolle pour. Le verrez. Fait que salut gang, bonne semaine. Chargé à La Prairie. Il n'y avait pas personne. Il est arrivé avant moi. Fait que j'ai été chanceux. Il m'a chargé du sec. Pas de neige dedans. Fait que, je pense que j'étais le troisième à charger aujourd'hui. Sinon, j'en aurais demandé. Tu m'enlèves la neige. Tu me mets du sec dans le fond. Puis après ça, tu me mettras le stock que tu veux. Parce que sinon, ça colle dans les boîtes. Puis ça ne veut plus sortir. Tu es obligé de pelleter comme un clown. Moi, ça me tente plus, puis je suis plus capable. J'ai l'épaule qui me fait mal tout de suite. Un accident, plusieurs années. Fait que là, c'est ça. Fait qu'on décolle, on s'en va domper ça à Lac Mégantic. Fait que, mais avant, il faut que j'arrête pour fioler parce que je m'en ai passé. Fait que, salut gang!
Coucou gang, moi je suis dompé à Lac-Mégantic. Comme d'habitude, j'ai collé mes dispatchs. Parce que sinon, tournant rond dans Lac-Mégantic, c'est pas payant. Donc, il m'envoie chez Lib à Princeville. On va ramasser un copeau pour aller descendre ça chez Papier Maçon à Gatineau. Puis il m'a déjà donné mon voyage pour demain. Une fois dompé, je m'en vais chez RMSO plus loin à Gatineau. On ramasse un voyage pour descendre ça à Lac-Mégantic. Fait que. Pimini est toujours là. Pimini est toujours en arrière de moi, oui, elle reste trois jours. Mini a dit que ça a donc bien passé vite aujourd'hui. Je comprends, on commence à 11h puis t'as dormi la moitié de la journée. Oui, il paraît encore. Fait que c'est ça. Fait qu'on va descendre ça. On va descendre là-bas. On va ramasser le stock. Puis on va aller domper ça à Gatineau. Peut-être me coller à un moment donné pour manger un petit brin. Pour l'instant, moi, je l'ai pas faim. Fait que, salut gang! Les tablettes, tout est fait bien fermé, cocotte! Salut gang! Finalement, on s'en va chez PTI à Vaudreuil. Moi, en sortant de la Lac-Mégantic tantôt, j'ai les sensors sur mes différentiels lock qui ont commencé à buzzer. Puis j'avais rien touché. À peu près ça, oui. Mais moi, j'ai rien touché, fait que ça buzzait. Quand on est arrivé chez le mécano, ça l'a lâché. Après ça, c'est reparti, quoi. 30 secondes plus tard, mais quand je l'ai rentré dans le garage, comme d'habitude, tu t'en vas chez le dentiste, t'as plus mal à dents, mais là, ça va pas faire. T'arrives chez le mécano, puis tout va bien. Mais là,
No way. Fait qu'il a checké les sensors, il pense que peut-être que c'est ça, mais là, pour être sûr de ne pas prendre de chance, il les a débranchés. Parce que ce n'est pas mes locks qui engagent ou bien qui se désengagent tout seul, c'est à l'air ça. Il faut vraiment que j'appuie physiquement dessus pour que ça marche. Parce que quand il a branché, il a fait de quoi? Oui, ça buzz. Mais c'est vraiment un problème de sensor. Fait que moi, je suis... Ben, on est parti. On s'en va à Vaudreuil. On va faire un switch de remorque. Je ramasse la 11-19. Puis, selon mon GPS, j'arriverai à 8h39 là-bas. On va plutôt dire 9h. Je verrai si je fais mon switch à soir ou bien demain matin. Si je fais mon switch, je vais peut-être aller me coucher de l'autre côté de l'autoroute, où est-ce qu'il y a de la place. Sinon, je vais aller me coucher de l'autre bord de l'autoroute, mais moi, je vais aller faire mon switch là. Fait que, salut gang! J'ai fait à Vaudreuil. J'ai ramassé la 11-19 comme qu'il m'avait demandé. Fait que là, moi j'ai des heures, on va retourner vers l'Ange Gardien. On va dormir là. Puis demain matin, on va décoller et on va s'en aller vers Clégantic. Fait que d'après moi, elle va faire dodo d'ici à ce qu'on arrive. On verra, ouais. Fait que salut gang! Salut gang! On est mardi matin. Moi, finalement, j'ai décidé d'arrêter l'Ange Gardien pour dormir parce que ça boit, je boyais, là, puis elle, en arrière, elle tourne en rond dans le lit comme une toupie, là, et elle voulait pas dormir pantoute, mais une fois qu'elle était couchée, elle a pas été longue qu'elle s'est endormie, mais moi, j'étais plus capable. Fait que, excusez pour les cheveux, je sais que ça a l'air de n'importe quoi, là, c'est de faire quelque chose, là, ça a rien donné. Fait que je finis mon inspection, on décolle pour Lac Mégantic et on va domper cette remorque-là. Fait que, t'es les gang.
Lac-Mégantic. Comme je fais tout le temps, j'ai collé mes dispatchs. Ils m'envoient chez Bois, Carlot, quelque chose de même, à Saint-Banville. Ça va chercher un copeau de bois, je pense que c'est Bois Franc qui a dit. On ramène ça à Lac-Mégantic. On va descendre là-bas tranquillement. Selon mon dynamique GPS, c'est 2h43 pour y aller. Oui, puis Cocotte est encore là. Donc on va descendre là tranquillement, puis on va attendre qu'Arnaud se tasse parce qu'il est ingénieur. Fait que, salut gang!
famous love. Yeah, I gotta keep it trilly on my soul. I'm the most selfish person that I know. Here we go, down the rabbit hole. Got a couple carrots around my neck. Self-respect, when you out of line, you put yourself in check. They don't hear me, they don't hear me though. Cycles going round and round and round like a merry-go. Stand for truth or fall for any old scenario. That's why I keep my circle smaller than a Cheerio. Cause this the company you keep. Stay woke, please don't get caught slick. End up sowing what you reap. Know your worth and don't sell cheap. The ghost is inside of me, can't take it out of me. No matter where I've been, it's not where I'm meant to be. I be shining perfect timing, check your watch, watch, watch. And I know who I am, I am no longer lost. I got tired of walking around with a mask on, smiling but my heart singing sad songs, yeah. I was living for myself, I was dead wrong, till I got the call, no cell phone. I got tired of walking around with a mask on, smiling but my heart singing sad songs, yeah. I was living for myself, I was dead wrong, till I got the call, no cell phone. Man, you talking to the real me, yeah. Man, you talking to the real me, yeah. Man, you talking to the real me, yeah. Chargé à Saint-Pamphile. Je ne vous dirai pas le nom de la compagnie parce que j'ai de la misère à le prononcer. Ça va sortir tout proche. Fait que là, on va aller jouer d'un côte avec cette belle neige-là à terre. C'est blanc puis c'est glissant. Fait qu'on va aller se faire du fun. Fait que, on va aller domper ça à lac Mégantic et on va tourner une petite patte parce qu'on s'en va après. Fait que, c'est le gang.
salut gang! Tu sais, comme je disais tantôt que là, ça pourrait être so-so, ben là, c'est plus so-so, c'est so-so, plus rien partout. Je sais pas si vous voyez dehors. Je vais vous montrer, je sais pas si vous voyez les traces en arrière, là. Je suis pas rien encore. Ça tourne de tour. Je suis plus capable d'avancer partout. Je suis dans le coin de Saint... Adalbert, merci, cocotte. Puis, là, ben là, ça bouge tout en tout. J'essaie de... Aussitôt que je lâche la cloche, ça fait rien que tourner de dessous. Donc, on va entendre la gratte qu'elle vient de me mettre tout seul. Parce que là, il n'y a rien à faire. Sinon, on va casser de quoi. Chance que je pars en bitrain, parce que ça, je pense que j'aurais même pas monté où est-ce que je suis rendu à peu près. Fait que, on va attendre la gratte. Moi, il y a quelqu'un qui est passé à côté de moi. Il y avait un CB, puis il m'a parlé. Il va essayer de trouver la gratte pour qu'il vienne me mettre du sel puis du sable à terre pour que je sois capable de faire de quoi. Mais pour l'instant, au moins le truck, il bouge pas. Je suis pas, il n'est pas en train de reculer ou de quoi de même parce que je sens qu'il y en a une qui capoterait, puis il y en a un deuxième aussi qui capoterait. Fait que, on va attendre la gratte qu'elle vienne nous mettre du sel puis du sable. Puis on va redécoller après pour Lac Mégantic. Salut gang! On a réussi à sortir de la côte. Je suis. Ça a pris. Au total, mettons, ça a pris une demi-heure. Le gars de la saleuse est venu, mais il a gratté deux fois aller-retour. La troisième fois, il a mis bien du sel. Il y avait du sable aussi avec un peu de gravier. Il m'en a mis en dessous des roues que je sois capable de décoller. Donc, on a réussi. Fait que moi, je suis dompé. J'ai reçu mon voyage dans le GPS par les dispatchs, à peu près 20 minutes avant d'arriver à Lac Mégantic. Je m'en vais chez PTI à Vaudreuil. On va ramasser la 11-11 pour descendre ça à Lac Mégantic. Fait bien non, mais du bruit, elle. On va pousser la petite carte, mais là, on va aller dans les poches. Et voilà. Mais là, on va arrêter ici à Lac Mégantic pour me venir loin. Il y a un dépanneur en m'allant vers Montréal. Il y a des douches. Fait qu'on va aller prendre une bonne petite douche. Moi, j'ai chaud. Puis. Ben elle aussi, elle va aller prendre une douche parce qu'à un moment donné, ben, faut se laver parce que sinon, petite odeur. Salut gang!